Abidjan, capitale économique et plaque tournante de la culture de la République de Côte d'Ivoire, a abrité la 3e édition de la quinzaine des cinémas du monde du 19 au 27 mai 2009. Il faut rappeler que nous sommes là dans le cadre de la quinzaine des cinémas du monde et à sa 3e édition. Ce festival, qui est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie, bénéficie de la ferme collaboration du ministère des Affaires étrangères, des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, l'Institut Goethe. Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, chers invités, chers partenaires, Chers amis du cinéma, après l'ouverture officielle hier au district d'Abidjan, les projections de films ont commencé ce matin ici dans notre salle et ailleurs. Et du district d'Abidjan est à nos yeux important car il consacre un art dont l'impact sur les populations n'est plus à démontrer, le cinéma. Cet art, moins bien encadré sous nos tropiques, fait l'objet de bien d'attention ailleurs. Non seulement il génère des revenus substantiels pour les acteurs du secteur, mais encore, il procure de nombreuses devises aux pays qui ont su lui donner la place qu'il mérite. Seulement de jeunes réalisateurs qui, bien encadrés, qui a déjà pris parti pour la culture, ne s'est jamais dérogé toutes les fois qu'il a été sollicité pour soutenir les initiatives consacrées au 7e art. Et vous dire merci d'avoir consacré un bout de votre précieux temps à ce grand rendez-vous de portée internationale. Qu'il me soit permis de saluer le ministre de la Culture et de la Francophonie et son équipe de la Direction de la Francophonie et de la Coopération culturelle pour avoir accepté d'organiser la 3e édition de la quinzaine des cinémas du monde qui, à la vérité, ne profite qu'à nous, cinéastes et acteurs de l'audiovisuel. Qui intervient dans le pays. Car la quinzaine de cinéma du monde est une manifestation internationale. Le fait que nous puissions éditer des missions en Côte d'Ivoire montre que nous sommes de plus en plus dans une situation de normalité. Merci donc à chacun de vous d'y avoir contribué. Je souhaite plein succès à cette activité. Je vous remercie. La
La quinzaine des cinémas du monde, débutée en 2005, s'est bonifiée au fil des éditions et s'impose aujourd'hui comme la vitrine des projections grand public du 7e art. La troisième édition de la quinzaine des cinémas du monde a enregistré deux grands moments, des projections publiques gratuites en salle et dans les espaces ouverts des communes du district d'Abidjan. La quinzaine a enregistré des projections gratuites en salle à l'Institut Goethe tous les jours de 9h à 21h. Des projections grand public au plateau Cité Policière à Adjamé Village dans la cour de la chefferie. Je voudrais au nom de la chefferie Boubok d'Abidjan Adjamé remercier sincèrement du fond du cœur le ministère de la culture et de la francophonie pour nous faire partager un peu la science de la quinzaine des cinémas du monde. À Atekoubé, à Agman Village, à Koumassi, espace Prodomo, à Kokodi, jardin public près de la Locodrome, à Proboué, dans la cour du centre pilote, à Yopougon, à la place Figayo. La quinzaine a aussi enregistré un volet scientifique. Ainsi, des experts maliens, angolais, marocains et des professionnels ivoiriens ont partagé leurs expériences sur la problématique du cinéma et de son importance dans la recherche de la paix. Ça fait que les jeunes, quand ils voient, quand on fait FESPACO, le festival FESPACO, c'est quoi? C'est les cinéastes, c'est Yohan Bala, c'est Kamo Lanziné. C'est qui t'a trouvé? On arrive, on est dans la presse, on est vedette. Tout le monde veut être vedette. Qui est fou? Le thème de cette édition étant cinéma, facteur de paix, de cohésion sociale et d'intégration des peuples. Nous passons cette année sous le signe de la paix, de l'intégration des peuples et de la cohésion sociale. Né il y a 4 ans, à partir de notre volonté de bâtir un pont culturel reliant la Côte d'Ivoire aux ambassades accréditées dans notre pays, la quinzaine est devenue une grande fête de la convivialité interculturelle autour du cinéma. C'est l'occasion pour moi de partager mon ambition pour ce festival qui, je suis persuadé, occupera au fil des éditions toute sa place dans le cœur des cinéphiles et le classera parmi les manifestations importantes de la vie culturelle de notre pays. L'impact du cinéma sur la paix est aujourd'hui une réalité palpable. Car si le cinéma est un art, c'est aussi un puissant moyen de promotion humaine. C'est un moyen d'expression et de communication. Et le thème du présent festival procède de notre volonté de voir le 7e art être une lampe qui éclaire la route de la paix de la Côte d'Ivoire, comme pour témoigner de cette pensée de Jean Cocteau qui dit, et je cite, « Le cinéma, c'est la culture moderne dont l'encre est la lumière. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais vous inviter à vous délecter des films métissés de cette troisième édition qui sont autant de passerelles pour rencontrer et découvrir la richesse culturelle de ce monde devenu village planétaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire réunifiée et ouverte sur le monde. Je vous remercie.